une putain de voix de merde qui part en couille. Salut à tous et à toutes, c'est Baldefun. Et on avait trouvé la clé du théâtre, donc on cherchait comment y accédouiller. Excusez-moi. Rien, en plus il y a une lampe qui ne marche pas. Ah, ça doit être là. Premièrement, checkons pour si, voir s'il y a des ennemis. Ennemis ? Oui, ennemis. Ne me tape pas ! La méchanceté des ennemis est bien présentée. On dirait que j'ai un string, je viens juste de remarquer. Vous imaginez, en fait, la Ralph est tout à pieds nus quand on y pense. Cette sale tarée. Peu importe. Cloak. Et on va... Je vais dire pouce vert et minot. Bon, là, il va y avoir des ennemis, c'est presque certain. Voilà. Je te vois. J'entends encore un autre, mais il doit sûrement être derrière ce fucking rideau. Ouais. Ça va, je t'entends, hein? Tu veux qu'on papote? Pardon. Ok, cool, il dit cool, cool. Ok, je m'attendais pas à ce qu'elle grimpe ça comme si c'était une vulgaire marche. Genre, yololol, puis les marches. Ah, oh, ah, toi, j'ai pas entendu, tu m'appelles les burnes, arrête d'être aussi disque. Oh, ça va sûrement ouvrir le rideau. Ouvrons le rideau! Rideau! Ok, ça fait du bruit, mais l'animation, bon, on passera. Hein. Je vais prendre un peu une trousse de soin, par contre, je suis en train de me dire. Salut, je t'ai ouvert! Mon pote de tous les jours, mon correspondant! Ah, ah, il était pas comme je pensais! C'était pas vraiment un correspondant. T'étais un pédophile. Et pourtant, je suis majeur! Ah, qu'il est con! Bon. Vous croyez vraiment que j'ai besoin de bouger cette caisse pour monter là-haut? Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Je jette une torche. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. YOLO! On voit rien ici. Oh, un tombeau. Tombeau! Il y a de la... Oh, je parlais de l'autre côté, trop cool. Ça me rend happy, genre Happy New Year! Ça veut dire nouvelle bonne année, mais c'est pas grave. Aïe. Aou. Je suis sensible! Ok, bon. Fuck you! Espèce de marche de merde hein, qui est censée représenter un fauteuil. Sans même pas un fauteuil, de toute façon, votre level design il est pourrave. Fermez tous vos gueules. Aouh! Putain de merde. Le mec, il a une arme, il prend bien son temps, je lui tire dessus. Non mais, teubé man quoi. Teubé fucking man. Après, chou-fleur man, teubé man. Feu. Yalla! Oh, j'allais dire, oh, on a peut-être bientôt fini le niveau. On a fini le niveau, 28 minutes. Ok. Pourquoi pas. Comment ils appellent ce niveau-là? Le pont. Le pont. Oh putain, à chaque fois, ils me donnent mes fausses, mauvaises armes, là. J'ai plus des masses de munitions sur mes usines, hein. Va falloir que je fasse gaffe. Mais bon. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Je vais vérifier par là. Un truc à récupérer. C'est pas de l'eau. C'est pas une fenêtre. Oh my god. Oh merde, j'entends l'ennemi. Ah non. C'est encore mon co... Ah. Ah. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Ok, bon, y'a rien de ce côté là, donc maintenant on le sait, donc on va pouvoir directement aller les buter, parce que genre, au secours. C'est lui. Mort? Tu es mort? Je t'ai bien toué ta gueule. Ne fallait pas m'embêter comme ça.
Oh my god. On est genre dans une grotte, c'est genre l'épave de Santa Monica. Pourquoi j'ai dit Santa? Ça me vient de quoi? De où je l'invente? De quoi? De pourquoi? De comment? On ne sait pas. Mais en tout cas, je le fais. Non, je voulais dire du Maria Poquitaya. Non. Je ne me souviens plus exactement du nom. Mais je suis là. Par contre, faut que je fasse quoi? Enfin, je veux dire, faut que je violote. Vous voulez que je violote, c'est ça? Ça m'a l'air dangereux de violoter. Oui, c'est ma bouche qui fait ce bruit là. Je suis un mystère pour l'humanité, là là là. Bon, dans ce cas-là, on va tenter de descendre ici à la mode Yo fucking low. Oh, woo! Cool. Ah, apparemment, c'est le bon chemin. Cool. J'adore les bons chemins. Oh non, putain, ils vont encore essayer de me grignoter. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas être grignoté. Hey, regardez-le, il me poursuit. Regardez-le. Oh mon dieu, j'ai peur. Maman. Maman. Ok. J'entends un homme clé à molette. Pardon, excusez-moi, j'étais pris d'un instant de virilité intense. Qui a fait que j'ai eu un cri intense. Aussi intense que ma virilitance. Ma virilitance. Regardez, il y en a un avec un lance-flamme encore. Faut que je bute avant qu'il me brûle. C'est ma phobie. Ma phobie. Bâtard de brûleur de merde. Je déteste les pyrofacs. Pyrofac, c'est leur nouveau nom. Et si ça vous plaît pas, c'est même terrible. Fuck. 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 Ça sert à quelque chose de monter là? Regardez. Regardez les crevasses. Regardez. Regardez-les. Ok, excusez-moi. Faut que pas que je m'accroche là. Enfin, il n'y a pas l'air de pouvoir s'accrocher de toute façon. Donc, bon, tentons quand même dans le doute le plus complet. Ok, c'était génial. J'ai adoré. S'il y a des pyromanes, montrez-vous. Je suis prête à vous attaquer votre sale fucking gueule. Je vais pas remonter tout en haut, mais fuck it. Ça se souvient, je passe devant. Oh. Il me faut une clé. J'ai pas pensé à looter les corps, par contre. Bon, peut-être qu'une des personnes avait une clé. Mais je ne le saurais jamais. Bon, sérieux, je peux arrêter de faire le kangourou? What the fuck? Enfin, je faisais exprès, mais... Je faisais genre que c'était pas le cas. Je passais à la dernière. Merci, bye. Fuck, elle est fuck. Chouette petit. J'adore les pédiluves. Ok, fuck. Ça glisse vers quel côté, ça? Oh. Oups, vers nulle part, vu que j'ai pas sauté dessus. Dites-moi, monsieur, vous avez une clé? Avez-vous droppé un objet quelconque qui pourrait m'être d'une utilité quelconque? Bon, allez, on fait un petit tour. Hein. Notre seul indice pour le moment, c'était quand même les boîtes. Hein. Il n'a rien droppé, lui. Connard de brûleur de merde. Ça, la drop rien, de toute façon... Oh, attendez, je vois une plaque. C'est tout si je marche dessus. Oh oui. Okay. Ne me brûlez pas. Je vais en supplier. Je vous en supplie. Ça s'ouvre si je passe devant ça? Ouais bah fuck, alors si ça s'ouvre d'un côté et pas de l'autre. Il n'y a pas un levier. Ouais, attendez. Peut-être qu'il y en a un. Je ne le saurai jamais puisque c'est fermé d'une façon des plus inconnues. Mystérieuse. Je pense que je trouverai pas ce qu'il faut que je fasse dans cet épisode. Et donc, j'espère que dans le prochain épisode, je trouverai. Parce que je vais bientôt devoir couper celui-ci. Ma voix part trop en queue, c'est un petit peu chiant. J'aimerais régler ce problème. Non, 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 non. Recoule, topiqueur, machin, machin. Pardon, excuse-moi. Peut-être simplement que je pousse cette cassouille. Dans un but totalement inconnu.
Inconnu, inconnu. Ça va me permettre de pousser celle-là. Ou de la tirer, ouais, je suis con en fait, fait que je la tire. Pif, 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 pif. Ok, je pense que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. Je vais supposer que ça glisse, ça. Bon, je vais supposer que ça va me servir à aller là-bas, quoi. Nope. Tu t'arraches à rien aussi, Lara, faut coopérer. Oups. Excusez-moi, j'ai arrêté l'enregistrement pendant une seconde. Excusez-moi. Enfin, que je suis seulement là-bas. Sauf pourquoi j'ai repris la sauvegarde. Voix qui part en live. C'est un petit peu chiant. Pour le coup, en fait, je commence à avoir une voix très virile. En fait, c'est ce que je suis en train de muer. Je finirai avec une voix comme ça. Puis sur la R, regardez. Enfin, écoutez. Écoutez ma voix suave. Je vais parler comme le glouton. Ouais. Excusez-moi, mais quel est le but, hein? Ok. Ok, non mais, what the fuck, Lara? Mais what the fuck, arrête de glisser ton... Non mais, ok, non mais... Carrément enfoncé dans le sol. Y'a que moi qui trouve pas ça normal, ok. Bah je sais pas, à part là, je vois pas où est-ce que je pourrais aller, quoi. Vous voyez que c'est ça? Bah, je vois même pas quoi ça me servirait en plus. Ah, mais je peux pas y aller si ça glisse en plus. Donc, fuck, il est fuck, fuck. Ouais. Ok. Ok, ouais. Mm-hmm. Je suis pas mais j'irai probablement regarder la solution. Je peux aussi la pousser cette caisse. Dans un but des plus inconnus. Arrête la rouille. Bon, je sais pas vraiment. Muscle. Oh, ok, ça, désolé. J'allais dire sorry, mais c'est pas ma chaîne anglaise ici. Donc, ta gueule, Balzéphone, putain de merde. Ok. Je vois toujours pas, en fait. Excusez-moi, je... Enfin, avec le petit cerveau que j'ai. Peut-être un moyen de me rendre là-dessus. J'étais sûrement pas supposé faire ça comme ça, ok? Mais vous fermez tous vos gueules et vous acceptez le fait que je fasse de la progression sans faire exprès, ok? Merci, bye.
D'accord. Pas très clair au niveau des indications de chemin. Putain, merde, c'est quoi ça? Oh, j'ai eu peur des murs. D'accord. Ça m'arrive. Bon, bah, je suppose que je suis au bon endroit, mais je crois pas que j'étais supposé monter comme ça. Mais vous savez quoi? Fuck it. Dans la vie, il y a des cactus. Et moi, les cactus étaient bien dans ma gueule sur ce coup-là. J'adore comment je fais tout avec mes armes. Genre, non, mais vous savez, j'ai même pas besoin de mes mains, en fait. Ah bah ouais, ça doit être le bon chemin, quoi. Lui qui grimpe, on sait pas pourquoi, hein. Il ouais, tiens, j'ai une lubie. J'ai une lubie. Ok, bon, en tout cas, je vous laisse la pensée des personnes. N'hésitez pas à vous verter. À vous abonner à t'es. Oh, bah, je change. Oh, c'est pas. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Bye bye!